Je sais pas si c'est très dur, mais c'est une séance VMA en fin de cycle, alors ça va pas être simple, mais c'est la seule séance sur piste qu'on a en ce moment. C'est quoi cette cabane, Bruno? La cabane là, bah c'est, tu vois, c'est le lieu où on peut se réchauffer un peu. Il y a toujours eu un peu de matériel, ça date des ancêtres. Tu vois, avant elle était en bois, puis ça effondrait un peu et ils nous ont mis une au même endroit. Tous les patriarches de l'INSEP se sont réfugiés ici. Donc je fais comme eux un peu. Hein. D'ailleurs, il y a même un petit chauffage, tu vois. Je vais peut-être leur mettre le chauffage. On va rester un peu dehors. Et toi, Bruno, tu étais coureur de 800 mètres? Ah ouais, mais départemental. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ah, j'ai pas fait d'athlétisme de haut niveau. Hein. J'étais le champion de mon quartier, quoi. Je suis venu au haut niveau par l'éducation physique. J'étais prof de gym pendant 10 ans. Puis après, je suis rentré à l'INSEP pour faire le diplôme de l'INSEP. Et puis après le diplôme, bah, j'étais embauché là. J'ai enseigné 10 ans en collège. Mais bon, ici c'est le paradis à côté de où j'enseignais. Enseignez-vous. Porte de Saint-Ouen, porte de Clignancourt. Dans le quartier où j'ai grandi. Après, c'est vrai que beaucoup de coureurs viennent de quartiers. Tu vois, si tu faisais une étude sociologique, tu as beaucoup de gens qui viennent de populations pas forcément aisées, tu vois. Mais là dans ce groupe-là, c'est mélangé. Le meilleur, Pierre, il vient pas d'un milieu défavorisé. Hein. Il aime courir, il aime se défoncer. Bon. Voilà, c'est une valeur qui existe dans toute la société. Peut-être pas chez les aristos. Et... C'est quoi cette valeur? C'est du courage? C'est quoi? Je sais pas, c'est le goût de l'effort, tu vois. C'est. Faut aimer faire des efforts qui sont pas payants tout de suite. C'est pas forcément ludique, tu vois. C'est faire du sport avec l'aspect ludique, il est décalé, quoi. C'est le jour de la compète, quoi, c'est tout. Et encore. Les épreuves que certains font, t'as même, si t'arrives pas à vaincre la peur de souffrir, voilà, c'est terrible, quoi. Non, le vote, c'est qu'on finit le cycle dehors. François Pierre Padel, il n'y a pas eu de vote. Hein, non, c'est une dictature. La dictature du prolétariat aujourd'hui. Non, mais c'est bon. Hey, merci. L'image, on le voit pas qu'il fait froid. C'est bon, hein. Alors, on commence les deux premiers sans bip, tranquille. Hein, pour chauffer, et puis après on mettra le bip sur les deux derniers 300, et gardera sur les 350, et puis on verra. Ah oui, il pleut. On part sur quelle allure? 17? Ah non, pas 17, 17, pas 17. Vous commencez en 18 les filles, les garçons en 15. Allez, c'est parti. 20 minutes. Chauffez la machine. Il manque de 3. C'est bien. 20 minutes de chauffe. Putain, j'ai... Oh. Hey, si on était en forêt, ça serait pire. Hein. On sort, non? Vous plaignez pas, vous serez vite au chaud après. Je pense que c'est vraiment quoi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire ce matin alors? Ils vont faire 4 x 300, 3 x 350 et 3 x 300. 3 blocs.
probe. Travaille quoi? Là, c'est l'aérobie intense sur la piste, quoi. Alors, aérobie assez courte et intense, quoi. C'est quoi l'aérobie? Bah, c'est la... on entraîne la capacité du corps à utiliser l'oxygène qu'on... Tu vois, à capter l'oxygène qu'on inspire, enfin, ouais, qu'on a dans nos poumons, quoi. Et qui donne l'énergie pour courir. Donc, l'idée, c'est de... On s'entraîne à bien l'extraire. Donc, faut répéter, répéter, répéter. Oula, 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 oula. Ah bah heureusement alors. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, Benoît? Ils font des 100 mètres dans l'allure que j'ai demandé pour la séance, quoi, pour les se caler un peu la foulée, trouver le rythme, parce que là on sort de trucs plus rapides et risque d'être... Faut se mettre dans le rythme. Si tu démarres trop vite, la séance elle est par terre. Enfin, ils arrivent à... se mettre dans le rythme. Bah il se cale, quoi, c'est un réglage, quoi. Il règle les moteurs. Combien là? Oh, 16-8. Hein? 17-15. Ouais, bah, le temps que tu appuies avec le temps de latence de ton cerveau, c'est ça. 16-8. C'est eux qui donnent le départ? Ouais. Tranquille, Pierrot! En les regardant courir, tu peux savoir à quelle vitesse ils sont, hein? Oh, j'ai une idée, ouais. J'ai une idée. Parfois, c'est trompeur, faut se méfier, surtout avec le vent. Voilà, ça roule, les filles, ça roule. Ça roule, les gars, tranquille. Ouais. 44-7. Récup à moins de la minute, hein. Le temps de course, 50 secondes, on va mettre, les gars. Les filles, ça fait autour de la minute. Ils ont que 50 secondes de récup. Le temps qu'ils ont couru, ouais. Là, ils font des combien? 350? Des 300, là. Tu sais, c'est dans différents secteurs. Son physique, déjà, tout son secteur physique, il est très complet comme coureur. Et puis après, mentalement, c'est un gars vraiment qui a un engagement dans ce qu'il fait, quoi. C'est un professionnel. Ouais. Donc voilà, faut que les gars avancent là-dedans, quoi. 45-4. Sur le premier 100 mètres, autant Lisa. Après, l'écart bouge pas. Va, secondo. Ouais. Là, prenez les affaires, on va aller dedans. On a 5 minutes. Allez. Ok. 5 minutes, on va rentrer. À 5 bistro.
Tu peux me parler un petit peu du rapport que tu as avec, avec les personnes que tu entraînes? Bah, c'est un rapport à la fois, j'essaye de rester assez distant, hein, je reste l'entraîneur, mais forcément, tu vois, pour faire souffrir des gens comme tu as vu tout à l'heure, faut que les gens te fassent confiance, quoi. Et comme c'est des jeunes adultes, souvent je reste un vieil adulte de référence, quoi, et se créer des liens affectifs quand même, hein, qui perdurent après, très souvent, quoi. C'est un drame pour moi parce que j'ai eu tellement d'athlètes dans ma carrière que je peux pas rester en contact avec chacun d'entre eux, quoi. Mais j'aimerais, quoi. J'aimerais parce que c'est toujours une belle histoire individuelle avec moi à travers tout un groupe. Il y a des années, tu vois, il y a des années où tu vis à travers un groupe, quelque chose de très sympa. D'autres, c'est plus difficile, mais malgré tout, j'ai rencontré des gens super, quoi, tout du long de ma carrière, quoi. Et... Je pense que tu as aiguillé un peu leur chemin, influencé un peu leur chemin. Ça, je n'irai pas jusque-là. Je pense que sur leur chemin, j'ai été un adulte de référence, quoi. Comme tout jeune adulte ou adolescent a besoin pour se construire, quoi. Et il y a beaucoup de monde autour d'eux, heureusement. Hein, mais je ne fais pas partie de la famille, machin, mais tu sais, tu as des repères. On a tous eu nos repères, quoi. Un prof, un entraîneur. Voilà. Et pour beaucoup, ben voilà, je suis un truc stable, quoi. Des fois, il y en a qui viennent me voir plus tard pour des ennuis, avoir mon avis, ça arrive, quoi. Parce que là, je suis le vieux, un des vieux schnocks qui tourne autour d'eux, quoi. Il y a 2 800 en début du mois, quoi. Il y a Düsseldorf et Karlsruhe. Ouais. C'est pas le top mondial, je pense, parce que... Pas besoin du top mondial. Stockholm, c'est le top, je pense, mais Stockholm, c'est tard, c'est le 17. Donc, parce que là, tu vas rentrer le 23, ça enchaînerait nickel, quoi. Tu vois, quelques jours un peu à te rétablir, et puis, c'est à 3 jours en plus. C'est quoi les dates? Ça doit être le 2 et le 6, ou un truc comme ça. Je vais regarder dans ma tablette, je les ai. Ouais, c'est pas mal. C'est lequel, le Deep Jaune? C'est celui où il n'y a rien écrit dessus, c'est celui-là. Les filles, je vous ai mis les gros boîtiers aujourd'hui. Mais j'ai couplé par. Parce que si jamais vous voulez partir en même temps, tu sais. Ben bah ouais, c'est ça le problème. Normalement, ça devrait être synchro. Ça, c'est des lièvres sonores. En fait, j'ai réglé dedans le temps, l'intervalle de temps qu'ils doivent parcourir, pendant lequel ils doivent parcourir 50 mètres. Donc, ils ont un petit bip sonore pour leur dire s'ils sont sur la bonne allure, un peu plus vite ou un peu trop lent, machin. C'est un peu pénible quand tu décroches, mais. Donc ça, c'est fabrication INSEP, Bruno Rennes. C'est pareil, un autre contact ? Ouais. Bah oui, j'ai fait... C'est un modèle chinois, là. Ouais, c'est déjà mis. C'est copié entièrement. Ouais. Je voulais tester les manches aujourd'hui, voir si ça... Elle permet, parce que sur les derniers... Ouais. Parce que tu vois, sur les derniers, j'ai toujours des petites crampes qui viennent et tout. Donc je sais pas si ça va... Faut que j'en achète pour ma fille. Faut qu'il y ait quoi ? Parce qu'elle a des... C'est les dernières, ça, c'est le dernier. Elle a des courbatures aux jambiers antérieures, ma fille, bah, en venant du footing. Je vais vous dire si c'est bien ou pas. Ouais. Il y a un gros écart, mais il faut déjà qu'il me stabilise ça avant que je le change. Allez les gars! Parti un peu après Léo, non? Peut-être pire un peu avant. Ouais. Ouais, si Léo il stabilise à moins de 61, ça sera bien. 30-20 pour Léo. Quelle est la séance aujourd'hui, Bruno? 5 x 400. Premier bloc et deuxième bloc, 4 x 350 et 2 x 300. C'est un peu plus dur que la semaine dernière parce qu'il n'y a pas. C'est pas en 3 blocs, quoi. Allez, allez. C'est bien, 45-5 Léo là. Allez, encore, on maintient. C'est le gang des chaussettes noires. 58. Black Power. Et. Super! C'est beau ça! Bien. Troisième, c'est presque fini la séance. Ouais, 35, allez, un petit peu vite. Ah, Clarisse, ça va aller trop vite. Allez, alors, elle écoute pas le bip. C'est bien ça. C'est pour les habituer à certaines allures, c'est ça, Bruno? Oui, puis éviter le massacre, parce que si tu vas trop vite dans ce type d'allure, tu vois, il y a un volume à faire, quoi. Si elle respecte pas l'allure, le volume, c'est mieux, là, Elisa s'est recalée. L'idée, c'est quand même, faut faire. Ils ont 4 bornes à peu près, 4 km de fractionner, quoi.
S'ils vont trop vite sur les premiers, machin, après ils vont avoir du mal à suivre l'allure. Une 11-5, une 12-4. Ça va. Vous avez pris la récup? Ouais. 58-5. 61-6. Allez Léo. Là, on s'accroche, attendez. Tu t'accroches, hein. À quel moment c'est dur là? Dernier 100? 200. Allez, tu t'accroches, tu t'accroches. Plus que deux, la séance est prête. Hey. Une fois que t'as passé le cinquième, t'as fait le. C'est presque fait. Deux. Allez. Quand tu veux vraiment observer leur gestes, leur foulée, tu te mets où? Oh, je me mets plus sur le côté d'une ligne, tu vois, mais sur ce type de travail là, le geste il est économique forcément, donc je surveille moins. Ouais. Parce que là c'est vraiment on travaille le moteur quoi. La carrosserie, elle se plie au moteur, là. Alors que sur les allures très rapides, il faut vraiment surveiller que ça va durer, surtout qu'on ne fait pas du long, quoi. Allez, encore! Une 59-1. Une 12-30, Lisa. Plus rapide, Léo. Une 10-60. Et Léo, parfois, ils sont plus rapides. Ok. Et puis le cinquième, après il y a une grosse pause, 7 minutes. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Un petit cours à deux comme ça, qui aide l'autre en fait, ils s'aident mutuellement. Là, ils sont chacun dans leur rythme. D'accord. Ils s'aident plus là parce que les niveaux sont un peu décalés. Ouais. Mais on souffre ensemble, c'est le seul truc qu'on peut faire. C'est une entraide psychologique, on va dire. Voilà, ils savent que l'autre aussi derrière, il les ramasse. Allez, galet! Allez, les pieds, allez! Allez, Léo! Allez, allez! Allez, vers l'avant! On force un peu, allez! Allez, allez! Encore! 55! 6! 7! Allez, Léo! Ok! Impec! 59-02 et 61-3. Allez, viens, allez! 7 minutes! Allez. Une 9, une 10-40, une 9, 12-9, pas. Ouais. Allez, on s'accroche, non, 5 c'est dur. C'est la première fois qu'on fait 5, hein, depuis plusieurs années. Donc on s'accroche. Allez, où c'est bien. Combien la dernière vidéo là, 61 61, 0, quelque chose. Les deux, ça s'accroche. Voilà, ça roule bien, ça respire bien, les épaules vers l'avant, Lisa. Voilà, allez, voilà, les épaules une vers 5, l'avant, encore, une 8, encore, une 9, une 10, 50, une 8, 78. Quatrième.
t'es en avance un peu au 200, et puis dans le virage, tu mets un peu tes épaules en arrière, tu vois. Essaye de sentir que ça roule, c'est dans ce virage là-bas que ça casse. Tu le sens? Ouais. Essaye de garder, vraiment de te pencher sur le cinquième. Après, il y a une grosse pause. Hein. C'est bon là, Clarisse, ça roule bien? Comment tu te sens? Ton ischio, ça te gêne pas? Non, ça va passer là-dessus, ça va peut-être le décongestionner d'ailleurs. Ça va envoyer du sang là-dedans. Ça va, Pierrot, ou dur? Lactique Là, ici? On reste sur le même temps à peu près, 1:15, pour laisser un petit peu d'air. Allez, s'ils arrivent à en faire deux, Pierrot, ça serait bien. Voilà, on reste bien relâché. Voilà, les épaules basses. Voilà. Le pied qui passe devant, allez, bien redressé, allez, hop, allez, allez, encore, encore, allez, 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 51,7, allez, 53,9, appel, on marche tranquillement vers le 300, de marcher. Allez, les gars. Marcher. 300. On finit en beauté. Coupez direct, coupez, coupez, coupez. Allez, bien, allez. Allez, fils, c'est bien ça. Ça roule. On reste bien dans l'allure, allez. Allez, fille, c'est bien ça. Allez, allez, jusqu'au bout. Ça roule, ça roule, ça roule, allez. Allez, allez. Allez. Allez les gars!
Allez, on fait glisser encore. Top, top, le rythme, allez. Encore, allez, encore, allez, encore, allez, encore, encore. Allez. Allez, Clarisse, allez. Les épaules, allez. Allez, c'est bien ça, allez. Vers l'avant, Clarisse, allez. Allez, encore. 53. Allez, c'est bien, tu finis, allez. Encore, ça déroule, ça déroule. Allez, allez. Encore, allez. Allez. Ah. Ok, il reste un. Il reste un 350 et deux 300. Allez les gars, on termine. Mais nous, je t'ai entendu dire j'y vais là, ça veut dire que je vais les encourager. Je vais un peu plus loin, oui. Comme ça, pour parce que là, ça commence à monter sévère. Donc, le fait d'avoir un petit peu d'encouragement un peu plus tôt qu'à la ligne, quoi. Parce que la ligne, ça paraît loin des fois. Ah, Pierrot, il est cuit, tu es cuit. Allez, gars! Voilà, bien relâché, les gars! Voilà, bien relâché. Voilà, on finit très propre, très haut, voilà, ensemble comme ça, allez. Allez, allez, allez. Allez, encore, jusqu'au bout, hein. Allez, 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 encore, le maître. 43,9, nickel. Eh bien, les gars. Allez, puis allez, allez, Clarisse, tu t'accroches. Allez, Lisa. Voilà, les épaules. Les épaules, Lisa, le rythme, Clarisse. Allez, hop, hop. Voilà, les épaules vers l'avant. Le rythme, chop, chop, très bien. Ça roule bien, ça, les filles. Allez, encore, encore. Encore, encore. Allez. Ça décroche un peu. Allez, fille, 2 x 300. Super. On reste avec le bip de Lisa. Ouais, j'ai fini. Allez. Pareil. Toujours la même. Bien, les gars, c'était une très belle séance. Un très bon travail. Super. C'était dur, mais c'est du bon travail. Ça paraît loin de la compète, mais... on construit, on construit. La tête aussi d'ailleurs. J'ai bien lutté contre les démons qui passent dans la tête. Ah oui, il y en a hein, sur ce type de séance, des petits passages. C'était Meji ? Hein ? Ça a se roulé par terre. Ouais, j'ai vu. C'était bien parce que c'était dans le relâchement pour une fois. Ouais, mais il y a. Ouais. Ça va toi ? La jambe lourde. Ouais, bah, c'est normal après les côtes, mais bon. Tac. Ah, Clarisse, elle a pris beaucoup d'avance. Les deux, une 10.5. Ouais, ouais, ouais. C'est la première des 10 comme ça, pareil. Ouais, les autres aussi. Allez, Clarisse, on y va! Comme dans un 8. Ouais, puis t'as retrouvé du relâchement que t'avais pendant l'avant-dernier, ouais, c'est bien. Ouais, l'avant-dernier, là, il y avait les démons là-haut. Ah, mais c'est dur. Hein. C'est les blocs, là. Un bloc de 5, un bloc de 6. Il n'y a pas assez de récup, quoi.
Il n'y en a pas assez, c'est ce qu'il faut, mais... Les encouragements de Bruno, ça vous aide? Je sais pas. On la connaît, cette voix. C'est plus un coup de pression qu'un encouragement. C'est vrai? Chez nous, ça marche mieux. Les filles, c'est pareil. C'est une bonne définition. Je crois que je vais les encourager, les soutenir, mais en fait, je leur mets la pression. Pour pas qu'ils relâchent. Léo, dès que j'arrive, il se redresse. Ouais, c'est vrai en plus. Dès que j'arrive, hop, il se... Hop. Dernière ligne droite, chaque fois que je stand up. Stand up. Get up on your right. Allez, Lisa, bien collé. Pour reprendre un souffle normal, là, il vous faut combien de temps de récupération? C'est bien, bah, c'est combien on a fait là, hein? On est à 5 à peu près. Ouais, bien, de récup. Qu'on a arrêté? Ouais. T'es ouf. Combien? On va faire 10 minutes. Ça va déjà? Ah ouais, ça va vite. Bon, bah, il nous faut 10 minutes. Je pense qu'il faut un quart d'heure. Lâchez les bras. Là, ça va mieux. Hein? Non, ça fait pas 10 minutes. On s'est allongé 5 minutes au sol. Allez, encore. Allez, c'est super ça, les filles. Allez, encore. Allez. Super! Bien. Bon! Vous avez mérité de vous reposer. Pour la semaine, là, je vais t'envoyer tout à l'heure, mais donc mercredi, tu seras concentré sur le 7. Essaye pas de faire trop parce que demain matin on fait les côtes. Parce que vendredi, samedi, c'est des jours banalisés en fait. Voilà. Jeudi matin côte, là, il y a un petit boulot ça. Plus cul, après vendredi repos, il y a du volume là. Dimanche, c'est ça. Ça progresse là. C'est 2x250. Là, vous avez un peu le week-end, c'est vendredi samedi. Ça y est, le retour. C'est bizarre. Regarde, ça va, ça va marcher, ça y est. C'est bon, j'ai mis ce manque de choses, ça y est. Ouais, ouais. Comme t'as envie de la battre, ils vont aller. Ils souffrent trop le cheval. Oh. Putain, toi, tu peux le reprendre. Ça a bien travaillé, c'est bien. Super. Bien, bonne séance. Ils sont mal, hein, les 1-10. Ça te sert trop, là, hein. Je pense que t'as vu la différence de couleur, là. Ouais. Ouais, mais bon, faut que tu t'habitues peut-être un peu, toi. En tout cas, le positif, c'est que j'ai pas eu de crampons au mollet. Bah oui, c'est ça. Mais bon, au début, ça compresse un peu. Non mais c'est bien, t'as bien fait de gérer un petit peu tes 350. Vous bien bossé aujourd'hui les filles, ensemble en plus, t'es cool. Ouais, vous marchez. Tu veux qu'on marche un peu? Putain, je sais pas ce que j'avais, mais tout là. Mais ça c'est le mal des côtes. Tu sais, c'est pas normal, j'avais déjà mal aux fesses. Non mais moi c'est la 350 là. En dessous des fesses. Putain, c'était chaud. Ouais. C'est plus long, la semaine dernière.